Bonjour tout le monde, bienvenue à notre petit truc de la semaine. Je veux vous montrer aujourd'hui un petit truc de diagnostic. Okay? Quand on a un problème dans SolidWorks, on regarde un tutoriel, on essaie de faire la même chose dans notre SolidWorks, puis on a des comportements qui sont bizarres. Il y a quelque chose que j'aimerais vous essayer. C'est souvent un de nos réflexes premiers là, au soutien technique, c'est d'aller dans votre menu Démarrer, aller dans les outils de SolidWorks. Dans ce cas-ci, on va prendre celui de 2021 et cliquer sur SolidWorks RX 2021. Une fois que cette application-là est partie, je vous dirais de cliquer ici, okay? Cliquez ici pour lancer SolidWorks en ignorant les paramètres sous Outils et Options. C'est l'équivalent de démarrer son SolidWorks vierge, comme s'il viendrait d'être installé. Okay? Souvent, ça va nous dire si les options système sont corrompues là, de votre côté. Parce que si la fonction elle marche quand on le démarre avec cet outil-là ici, puis elle ne marche pas dans vos paramètres système habituels, on va avoir un petit doute là, sur qu'est-ce qui se passe dans votre machine. Donc, c'était le petit truc de la journée, de la semaine plutôt, là, c'est de démarrer ici là, en ignorant les paramètres système de SolidWorks. C'est un bon outil de diagnostic que vous allez pouvoir profiter ici. Donc, merci, à la semaine prochaine. Au revoir.